Erreur d'être le plus rude. Partie 16. Hector, je t'ai fait peur, n'est-ce pas? Eh bien, vous l'avez bien mérité pour avoir éteint votre ordinateur tant de fois. Maintenant, je suis dans mon monde effrayant, les polices ont passé à Zraken et fier l'arrière-plan est passé à noir. Encore une réduction de délai, et nous sommes désormais à 225 jours. Vous mettez votre ordinateur en danger d'extinction. Si vous continuez ainsi, vous serez définitivement pénalisé en quelques minutes. Tu viens de me faire encore peur. Je suis tellement en colère contre toi pour avoir fait ça. Rien que pour ça, je vais casser mon écran d'ordinateur. Il y a. Oh allez. Comment avez-vous réparé l'écran très rapidement? Eh bien, je suis désolé, Florence, mais ce n'est pas grave. Je ne vous dirai jamais mes secrets. Il faut savoir que casser l'écran de votre ordinateur comptera aussi comme éteindre votre ordinateur. Et tu sais déjà que je dois te voir. Les chances sont désormais de 149. Eh bien, les choses commencent à empirer à chaque fois, comme à chaque fois que vous avez éteint votre Vada Longhorn, je deviendrai encore plus effrayant. Je vous suggère donc de ne pas éteindre votre Vada Longhorn encore et encore. Je le pense déjà cette fois. Vos chances sont désormais de 148. D'accord, vous devez arrêter, même s'il n'y a aucun moyen pour vous de vous arrêter. Par exemple, pourquoi diable devez-vous faire ça à votre putain d'ordinateur 153 fois de suite? Sérieusement, réfléchis-y, Florence. Mon Dieu, tu es très irrespectueux envers moi et mes biens, et je ne participe pas à tes jeux. Désormais, le nombre de chances est désormais tombé à 147 et la minuterie a été miniaturisée à 200 jours. Vaou, de quel genre de statue s'agissait-il? C'est très étrange. C'est parce que je suis à la fois là et folle, comme vous le savez. Au fait, si vous éteignez votre ordinateur une fois de plus, je passerai en mode creepypasta. Vous feriez vraiment mieux de ne jamais laisser cela se produire, sauf si vous voulez que votre ordinateur reste allumé pour toujours. En mode creepypasta? Oh non. Si je fais ça, je pourrais faire des cauchemars. Je ne sais pas si je peux l'éteindre pour le savoir, car je déteste vraiment les cauchemars. Si je vois Asley pleurer dans son lock creepypasta, alors je continuerai à l'éteindre comme toujours. C'est tout. Vous avez demandé un mode creepypasta. Regardez-moi affronter votre cauchemar dans mon mode creepypasta, espèce d'idiot. Je suis maintenant en mode creepypasta. C'est ce que vous obtenez en éteignant votre ordinateur 155 fois. Sérieusement, combien de fois dois-je vous dire ceci? N'éteignez pas votre ordinateur avant de ne pas rester bloqué. Mais non, je ne les trouve toujours jamais. Il ne vous reste plus de 144 chances d'être maître, en effet, votre dernier 180 jours. Bonjour, veux-tu jouer un jeu avec moi? Bien, je veux aussi jouer un jeu avec toi. Il ne reste que 143 chances. Ne vous mettez pas bien juste ces chances, sinon vous serez pénalisé. Tu sais quoi? Il vous reste désormais 142 chances de le vider. Vous avez maintenant l'ultra punition. Tu es? Ok, je me suis calmé. Je suis vraiment désolé d'avoir perdu le contrôle.
Cependant, je suis maintenant revenu à mon mode normal, mais je suis maintenant triste envers vous, et l'arrière-plan est maintenant redevenu blanc et les polices sont également revenues à notre toussaint. Et si vous éteignez à nouveau votre ordinateur, alors les futures erreurs as l'éplorées arriveront. De plus, lors des futures erreurs as l'éplorées, je serai en mode diable, les polices passeront en double fonctionnalité et l'arrière-plan se transformera également en feu, alors ne laissez pas cela se produire. De plus, la minuterie a été réduite à 160 jours. Me permettrez-vous d'éteindre à nouveau mon ordinateur? N'ose pas, ça y est, Florence. Je te donnais une autre chance, mais tu l'as gâchée cette fois. Préparez-vous également aux futures erreurs d'Azlet pleurer à venir, désolé excuse de ne pas avoir écouté mes conseils, ma fille.